Shalom, shalom. Je disais shalom, shalom. Alléluia. Non, je ne vous entends pas. Alléluia. Non, je pensais que tu allais faire plus que ça. Alléluia. Les acclamations de ce soir ne sont pas pour un homme, mais c'est pour Dieu. Si quelqu'un comprend cela, est-ce qu'il peut se lever de là où il est et acclamer fortement pour le Seigneur? Si tu rajoutais des cris de joie, ça allait faire quelque chose de bien. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent tu es encore assis. Même de là où tu nous suis, est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer fortement pour le Seigneur? Peu importe l'heure à laquelle tu me suis, que ce soit le matin, que ce soit le soir, mais je sais une chose, que notre Dieu n'a pas besoin de temps pour visiter quelqu'un. Parce que la Bible me dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Alors si tu crois que notre Dieu est le maître de temps et des circonstances, est-ce que tu peux encore élever ta voix et acclamer majestueusement, acclamer divinement, acclamer puissamment, acclamer, acclamer, acclamer au-dessus des instruments, acclamer au-dessus même de ta voix. Est-ce que tu peux bien le faire? Rabba Shapali Adara Sapa Rabba Sepeli de Clouve de Hans. En tout cas, je n'aimerais pas conduire ce culte seul. Même toi qui me suis, même toi qui es en ce lieu, j'aimerais que toi et moi puissions conduire le culte de ce soir. Alors j'aimerais te demander de ne pas me laisser la charge, mais que nous puissions partager la charge. Shabbat et Braveras. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta voix et bénir le nom de Jésus? Le nom qui nous réunit ce soir. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom qui nous a été donné. Le nom par lequel, lorsque nous l'invoquons, nous sommes délivrés. Rekasupali haseke. La pali le komi de sapaya. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Je te laisse le temps de parler à Dieu. Je te laisse le temps de parler à Dieu. Peut-être que tu me suis au travers d'un ordinateur, au travers de ton téléphone, au travers de la télé. Peut-être que tu es au travail. Peut-être que tu es à la maison en train de préparer. Peut-être que tu te prépares même pour aller à l'église. Peut-être, je ne sais pas moi quoi, ce que tu es en train de faire maintenant, à l'instant même. Mais j'aimerais juste que toi et moi puissions être connectés et que nous puissions conduire le culte ensemble. Est-ce que les voix peuvent monter et parler à Dieu? Est-ce que les voix peuvent monter et parler à Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un que prier Dieu n'est pas question de langue. Que prier Dieu n'est pas question de dialecte. J'aimerais te dire que notre Dieu a la capacité d'écouter plusieurs langues. Pour la preuve, je te ramène à la Bible. Lorsqu'il y a eu baptême de l'Esprit, la Bible mentionne quelque chose d'important. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur tout un chacun, ils ont parlé de nouvelles langues. Chacun a parlé sa langue. C'était après qu'ils se sont rendus compte que ma langue se faisait entendre chez une autre personne. J'aimerais te dire que ce soir, tu es libre de parler à Dieu. Si tu veux parler à Dieu en français, tu peux le faire. Si tu veux parler à Dieu en lingala, en kikongo, en swahili, en anglais, tout dépend de toi. Mais j'aimerais juste que tu t'approches devant le trône de celui qui nous a réunis ce soir. Ishapadokumi haveteras. Oh, est-ce que maintenant tu peux monter avec moi? Est-ce que tu peux monter avec moi? Cela m'est égal que je te voie ou pas. Cela n'est pas important que je te voie ou pas. Mais moi je sais une chose,
Le Dieu que je sais, le Dieu qui nous a réunis ce soir, est celui qu'on appelle omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, même si moi je ne te vois pas, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent est capable de te voir là où tu es à l'instant même. Est-ce que tu peux monter avec moi? Rabahasi adabahasupaya. Rapalie liolibadas. Rakamaha supia de kaz. Ikamande kuwa sepedia. Que ce soit au salon, que ce soit dans la chambre, que ce soit au bureau, que ce soit au marché, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans un bus, l'atmosphère a déjà été saturée. Il y a une telle charge dans les cieux, il y a une telle charge au ciel maintenant. Le sang de l'homme. J'entre de ta tour et toi seul. Oui, je n'entre que pour ton nom. C'est simple les paroles. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'homme. Elia Balavia Nakamo Bayadasalia Bahaya. J'entre pour ta tour et toi. Le chanter avec moi. Oui, j'entre dans les saints des saints. J'entre par le sang. Le sang qui m'a été donné comme gage d'être enfant de Dieu. Oui, je n'entre que pour un seul but. J'entre pour ta
Je te laisse le temps de prier.
ceux qui m'accompagnent, vous pouvez me prier au micro. Et j'aimerais juste que tu déclares que le nom de Dieu est saint pour toi. Le nom de Dieu est saint dans ta famille. Le nom de Dieu est ce nom-là qui te délivre. Le nom de Dieu est ce nom-là qui te décharge. Le nom de Dieu est ce nom-là qui te change de ça. Et champagne à ta femme. Ce nom-là qui te change de lieu. Lorsque tu es à Shakaya, lorsque tu es fatigué, tu déclares le nom de Jésus. Ce nom-là vient te donner la force. Est-ce que tu peux prier? Ce soir, je n'ai rien d'autre à te donner. Ce soir, je n'ai rien d'autre à te donner. Je ne ferai pas peut-être une heure. Je ne ferai pas peut-être 40 minutes. Mais même avec les petites minutes que j'ai, je te présente le nom de Jésus. Je te présente le nom de Jésus. Le nom capable de te donner la paix. Aïe! Le nom capable de te donner la paix. Là où tu n'avais plus de paix, ce nom-là est capable. Elia Barasukataya. Paria, 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 Eka Sakaya Kahosa. Palido Sekelia, Ela Barasupelia, Bakuma Tekele. Le nom capable de faire inventer une biche. Shanum padikanis ikakamanum tekefate spali de la kuva usha tekemante ali de sepia rakatala bahasete rima. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas d'argent, mais le nom que je te présente ce soir, c'est le nom de Jésus. L'héritage que je te présente ce soir, c'est le nom de Jésus. Aïe, répidio, c'est vrai. Requetebo. Écoute. Elohim Adonai. Elohim. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Cette charge te suit même jusque là où tu es. Elohim Adonai. De là où tu es, déclare-le de tout ton cœur. Elohim Adonai. Alia nous sekelia. Elohim Adonai.
les verrous. Raka de pali de sauve. Omi, parmi nous il y a quelqu'un qui était très souffrant. Parmi nous il y a quelqu'un qui était très malade. Il se posait même la question de savoir comment est-ce que j'arriverai ici. Mais Dieu est en train de me dire qu'il est en train de te guérir à l'instant même. Puisque tu n'as pas regardé à ta maladie, puisque tu n'as pas regardé à ce qui te dérange, le Seigneur me dit qu'il est en train de te guérir maintenant. Je ne sais pas pourquoi tu es distrait, mais il y a une telle présence de Dieu. J'aimerais te choquer que je peux même rester là. Je n'ai pas besoin de multiplier les chants dans la présence de Dieu. Mon cœur montre à suffisance ce que je veux et ce que je veux montrer ce soir. Je peux rester en ce lieu qu'avec ce chant. Je peux rester en ce lieu qu'avec ce chant. Mais j'aimerais juste que toi, tu puisses rakapalousi akatepaya. Chadele paille de la varage. Est-ce que les instruments peuvent s'arrêter en chant à l'unisson? Elohim Adonai. Profite de l'atmosphère. Elohim Adonai. Hey, Elohim, Elohim Adonai. Oui, tu commences à comprendre. Oui, tu commences à comprendre qu'il n'est pas question seulement d'instrument, mais de cœur. Elohim Adonai. Oh. Elohim Adonai. Haya, haya. Ce matin ou ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que je n'avais pas prévu tout ce que je suis en train de faire maintenant. Mais je me suis laissé seulement conduire par la mouvance de l'esprit. Cela veut dire que pour entrer dans la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de confiner le Seigneur. Laisse-toi conduire par la mouvance de son esprit. S'il te demande de t'agenouiller, fais-le. S'il te demande de te mettre debout, fais-le. S'il te demande de battre les mains, tu peux le faire. S'il te demande de te déplacer, tu peux le faire. Mais laisse-toi juste conduire par la mouvance de l'Esprit de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh,
rabia na kanubia te sabia Elohim. Bénisse.